J'ai même vous, à titre personnel, d'inscrire vos deux premiers buts sous le maillot olympique lyonnais. Beaucoup de satisfaction ce soir? Ouais, beaucoup de satisfaction, personnellement. Maintenant, voilà, le plus important, c'était de repartir à Lyon avec les trois points, et c'est une bonne chose qui a été faite ce soir. L'OL manquait d'efficacité sur les précédents matchs, ça a notamment fait défaut à l'OL face à Lille. Ce soir, 4 buts inscrits, j'imagine que voilà, c'est le chemin du filet qui a retrouvé. C'était important ce soir de retrouver cette efficacité qu'ils étaient en défaut à l'OL. Ouais, on essaie de retrouver cette confiance tout d'abord aux entraînements, on a travaillé la finition cette semaine. Mais voilà, ça fait du bien pour tout le monde de marquer, et voilà, j'espère que ça va amener de la confiance, énormément de confiance, cette victoire avec beaucoup de buts, donc c'est toujours mieux. Pour revenir sur votre prestation, votre premier but, vous l'attendiez? Ouais, je l'attendais. Après, le plus important, c'était de ramener les trois points, comme je l'avais dit. Mais voilà, si on peut concilier la victoire et les buts perso, donc c'est encore mieux. Il y aura un match important contre Rennes. Ça va être important de lancer une dynamique, d'enchaîner pour aller essayer d'aller chercher les places européennes. C'est ça. Maintenant, les matchs qui nous restent, il faut les aborder comme si c'était que des finales. Voilà. Donc, il faut gagner tous les matchs pour espérer aller chercher la Ligue des Champions. Racontez-nous vos deux buts, comment ça s'est passé, décrivez-nous comment vous avez vécu ces deux situations. Le premier, c'est une action où Karl combine sur le côté, voilà, Lucas là, il me la met en retrait, je tire à l'instant. Et le deuxième, c'est Oussem qui m'envoie en profondeur magnifiquement, et j'arrive face au goal. Je me dis que le geste qu'il faut faire, c'est le piqué. Je sais que beaucoup auraient croisé à terme, moi j'ai tenté le piqué, et voilà, je suis content, c'est rentré. Justement, un petit piqué, plein de lucidité, vous prenez de la confiance avec ce match? C'est sûr que ce match va nous donner de la confiance à moi et à mes partenaires pour mieux aborder les autres, justement. Oui, avec Maxence, victoire 4-1 face à Lorient, 4 buts marqués, Lyon retrouve de l'efficacité, c'était important ce soir? Oui, c'est sûr, on est déjà très content de cette victoire, on se remet sur les rails, et puis 4 buts marqués, c'est sûr que ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps, donc c'est très bien pour la suite, on va essayer de continuer ainsi. Romain Febvre a inscrit un doublé, il a été très bon dans le jeu. Carto Kouakambi, Moussa Dembélé également buteur ce soir. C'est bien pour cette équipe, on sent des joueurs là qui prennent confiance offensivement. Ouais, c'est sûr, tous nos attaquants ont marqué. Donc c'est bien pour leur mental et pour l'équipe, parce qu'on sait qu'on a besoin d'eux pour marquer des buts. Donc c'est très important, et on espère que ça va durer et qu'ils vont pouvoir marquer encore et encore. Collectivement, on sentait qu'il manquait un déclic. Est-ce que ce match contre Lorient est un déclic sur un plan collectif où on a vu vraiment 11 joueurs lyonnais impliqués tous ensemble? Je pense qu'on est déjà mieux depuis certains matchs, contrairement à notre fin de première partie de saison. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a senti une équipe qui était ensemble, qui a marqué des buts et qui a eu beaucoup d'occasions. Donc c'est sûr que c'est bien pour la suite, et c'est bien pour le collectif aussi, pour les matchs importants qui arrivent. J'ai cru entendre le coach qui vous a félicité parce qu'à la mi-temps vous veniez 2-0, et j'imagine qu'il a insisté sur le fait de ne pas lâcher, de continuer à jouer. Oui, c'est sûr qu'à la mi-temps ça a été un peu dur, parce qu'il fallait l'être. On gagnait 2-0, mais on a eu cette occasion concédée en fin de mi-temps, donc il fallait rester concentré et rester soudé pour gagner ce match, et c'est ce qu'on a fait, donc on est très content. Sur votre plan personnel, on vous sent vraiment en pleine forme, encore une fois, un nombre de ballons récupérés incalculable. Vous êtes en très grande forme depuis plusieurs matchs? Oui, je me sens assez bien. J'essaye d'être le meilleur possible. Après, c'est aussi grâce à mes coéquipiers autour qui m'aident bien, donc c'est important. J'espère qu'on va rester sur cette lancée, qu'on va gagner tous nos prochains matchs. Pour vous, il vous manque encore ce petit but, c'est pas passé loin? Ouais, c'est sûr, il y a cette action en fin de match qui aurait pu me sourire, mais c'est comme ça, j'ai pris ma chance, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse plus souvent, donc c'est bien pour la suite aussi. Merci beaucoup Maxence, félicitations.